Toi seul peux prendre cette décision, mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Bene. Saute! Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode de bonus 5 sur Assassin's Creed Brotherhood. On continue nos petits épisodes bonus en s'attaquant aujourd'hui à la séquence 4 normalement. Sur ce, allons dans notre brin d'ADN qui commence à se compléter ma foi bien comme il faut. Donc regardez, la séquence 1 elle est bonne, la séquence 2 elle est bonne, la séquence 3 elle est bonne. Passons à la séquence 4. Alors la séquence 4, il y a deux missions qui ne sont pas complétées à 100%, donc on va commencer par celle-là. Ne vous faites pas repérer. Introduisez-vous dans le château Saint-Ange, puis assassinez Cesare et Rodrigo. En ne se faisant pas repérer. Eh ben c'est parti. Mission infiltration. Les cachettes apparaissent sous la forme de pointes bleues sur la mini-carte quand vous êtes en conflit déclaré. Ben ça j'avais capté. Hein. Ok. Donc là, il y a la fameuse. Je vous salue, citoyens de Rome. Profitez de ce glorieux spectacle. Caterina Sforza, la catin de Forlì, va enfin ramper à nos pieds. Ah ! Personne ne peut tomber plus bas que Lucrezia Borgia. Qui t'a poussé à faire ça ? Ton frère ou ton père ? Ou alors un peu les deux ? Ils ne valent pas mieux l'un que l'autre. Va-t'y te taire ! Personne ne dit du mal des Borgia ! Voilà ce qui arrive à ceux qui osent nous défier. Bon peuple de Rome, gardez courage. Votre heure viendra, vous serez bientôt libre, je vous le jure. Bon. Ils vont la torturer. Tu es venu pour Cesare et Rodrigo. Caterina est une alliée puissante. Un jour, elle nous rendra l'appareil si nous lui venons en aide. Peut-être. Mais occupe-toi d'abord de Cesare et Rodrigo. Allez, c'est parti. Alors, il ne faut pas se faire repérer. Ok. Eh ben écoutez, on va passer en dessous. En espérant que ça va servir à quelque chose. Ah bah oui, regardez, il y a un message. Oula. Ou du calme. Bon, lui il a l'air d'avoir rien vu. Oh là 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 là. Ça va être chaud cette histoire. J'y vais doucement. Ah, je crois qu'il l'a repéré. Ah.
Voilà, bon, eux, c'est fait. Eh bien, les pigeons, ils roucoulent comme il faut. Bon, pas de garde à droite. Pas de garde à gauche. Oublie les pas, c'est moi que tu sers. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Oui, mais le Vatican... Cette assemblée de vieillards... Ah ouais, l'autre gros port, là, à gauche, là, on s'en rappelle. Hein. Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'eux. Il nous faut plus la cité. Entre de bonnes mains. Bon, ici on est tranquille. Ici on est tranquille. Là, je pense qu'il va falloir monter au-dessus, c'est ça? Exactement. Ok. J'ai du mal à voir si c'est quelqu'un d'autre. Alors je vois qu'il y a lui là-bas. Vite! T'as rien vu, t'as rien vu. J'aurais presque envie de faire le tour pour le coup. Ah là, j'y vais vraiment prudemment, les amis. Hein. Oh, parfait. Ok. Donc là, c'est bon. Donc il va falloir passer par là. Bon, pour l'instant, je vois pas de garde. Moi, je tue tout le monde. Hein. Je suis en sorte de ne pas, de ne point être vu. Ok, je vois un truc ici. Mais je vois un garde là-bas. Donc, il va falloir peut-être l'éliminer, lui, par contre. Deux gardes. Oh, punaise. Là, il y a trop de monde, là. Il y a trop de monde. Ça n'a pas été loin. Ça n'a vraiment pas été loin. Oula, lui, il va falloir faire gaffe. Oh, il va me voir. Il va me voir. Merde. Chaud. J'ai pas le temps de le dépouiller lui par contre. Ok, faut aller là, mais lui... s'en occuper, sait-on jamais. Oh purée, il y a lui là-bas là. Oh la vache. Faut que je m'en occupe.
Quoi ? Ok. Attendez, on va attendre qu'il revient. Et je le snipe. Non, parce que là, si on passe à gauche, il va nous voir. Même si on monte, non ? Bon, je vais juste faire lui. L'autre, je ne sais pas, mais lui, on va le faire. Il veut pas ? Ok, d'accord. Ah. Il va grimper par où ? Bon bah good. Hop. Bon allez, on va y aller. Attendez. Ouais, faut aller en haut. Attendez, on va repasser par là. Voilà. 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 Oh, je sue, les amis. Voilà. Cesare. Lucrezia. Bah. Je rappelle qu'ils sont de la même famille, hein. J'espère que tu as fait honneur à notre invité. C'est insolente. Il faudrait lui coudre les lèvres. Moi, je les préférerais bien ouvertes. Oh. As-tu parlé au pape des sommes que réclame mon banquier ? Il s'est absenté du château. Il faudra nous montrer très persuasif à son retour. Ça ne sera pas difficile, n'est-ce pas ? Non. Mais je me sens un peu trop seule ici. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble, tous les deux. Tu es bien trop accaparée par tes autres conquêtes. Bientôt, quand je monterai enfin sur le trône d'Italie, je ferai de toi ma reine. Pas vraiment. Et ta solitude appartiendra au passé. Je meurs d'impatience. Et pas d'incarta dans mon absence. Ouais. Je vais rien dire. Hein. Je ne vais rien dire. Ok. Ok, 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 ok. Non. Je peux pas monter ? Bon bah je vais aller par là alors. Ouvrez la porte, le capitaine général part pour Urbino. Buona fortuna, padron Cesare. J'ai bien peur que Machiavelli ne soit déçu. Ok. Bon, du coup, il va falloir aller là-bas. Ouvrez la cellule. Raconte ton voyage à Rome. Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse. Tu es pitoyable, Lucrezia. De quoi a-t-il parlé ? De ses projets pour Naples ? Ça t'a plu ? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ça te remettra les idées en place. Referme et donne-moi la clé.
T'inquiète, tu vas mourir, cocotte. De ma main. De ma main. Ok. Bon, faut continuer à progresser en haut, c'est ça? Ok, c'est bien ça. Youp. Alors, ok, il y a un ennemi à gauche, mais je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Quoique. Voilà. Est-ce que... Non, il n'est pas tombé, donc je peux le fouiller, lui, par contre. Super, il me donne des carreaux d'arbalète, en plus. Alors, je vois un autre ennemi là-bas. Oh putain. Vas-y, approche mon loup, approche. Moi je préfère assurer le coup hein, avec l'arbalète. Au moins on est sûr que ça fait mouche. Voilà. Bof, c'est tout. Ok, rien à gauche. Oh mon dos, s'il vous plaît, passez-moi cette cruche. Un peu d'eau me soulagerait. Et moi, qui va me soulager, princesse? Le voilà, arrêtez-le! Ah merde! Mais alors comment tu veux que j'ai dessus sans me faire repérer? Oh, j'ai relancé tout! Oh non! Pfff. Oh non! C'est, ça pue ça! Waouh! Bon, on va essayer de faire ça vite. Oh ça pue, je m'en étais tellement bien sorti. C'est dommage. Bon bah c'est pas grave les amis, c'est pas grave. Mais je m'en doutais, mais en fait on avait qu'une lame, on peut pas tuer les deux en même temps, mais bon. Ok, bon. Et 2-1. Voilà, approche-toi de ton copain. Et 2-2. On va attendre qu'il tourne. Ok, go. Parfait. Il n'y en a aucun qui va me rapporter des carreaux d'arbalète ou ça se passe comment? Désolé hein, par contre je suis vraiment désolé les amis, pour le coup j'ai foiré. Oublie le pape, c'est moi, tu sais. Bon, y a pas moyen de passer là. Rome est le pilier sur lequel repose notre stratégie. Il est solide. Tu dois l'être toi aussi. Bon, bah on va attendre. Oui, mais le Vatican. Cette assemblée de vieillards
En plus, on est allé loin et on a chu au dernier moment, quoi. Au dernier moment, on a chu. Ah oui, c'est vrai, faut monter. Voilà, ça c'est fait. On attend que lui fasse son tour. Parfait. Oula, attends. Non, là c'est un mannequin, je suis bête. Attendez, on va attendre qu'il tourne. Oh là là, il me fait peur lui hein. Go. Bon, on va attendre qu'il refasse un tour. Oh, quoi que je peux l'avoir là. Voilà. Voilà. On va essayer d'avancer sans le tuer lui. Pour gagner du temps. Ils sont aveugles hein, les gardes parfois dans certains niveaux hein, c'est un truc de fou. Bon là ça devrait aller du coup. Bon ça va, on est encore plus rapide et efficace que la dernière fois. Oh pitié, on peut pas passer. J'essaie hein. J'espère que tu as fait honneur à notre invité. C'est insolente. Il faudrait lui coudre les lèvres. Moi je les préférerais bien ouvertes. Oh. Bon, elle est pas passée la deuxième fois, elle passera pas non plus la troisième fois, ta blague de merde. Des sommes que réclame mon banquier. Il s'est absenté du château. Il faudra nous montrer très persuasif à son retour. Ça ne sera pas difficile, n'est-ce pas? Non. Mais je me sens un peu trop seule ici. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble tous les deux. Tu es bien trop accaparée par tes autres conquêtes. Bientôt, quand je monterai enfin sur le trône d'Italie, je ferai de toi ma reine. Et ta solitude appartiendra au passé. Je meurs d'impatience. Et pas d'incarta dans mon absence. Mouais. C'est vite dit ça, hein. C'est vite dit. C'est vite dit, je le crois. Et je le crois pas trop.
Là, faut partir par là. Ouvrez la porte, le capitaine général part pour Urbino. Buona fortuna, padron Cesare. J'ai bien peur que Machiavelli ne soit déçu. Oh, il se fera une raison. Il se fera une raison. Ouvrez la cellule. Raconte ton voyage à Rome. Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse? Tu es pitoyable, Lucrezia. De quoi a-t-il parlé? De ses projets pour Naples? Ça t'a plu? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ça te remettra les idées en place. Referme et donne-moi la clé. Elle mérite vraiment de mourir. Plus je la vois, plus je me dis qu'elle mérite de mourir. Bon, il y a juste lui à gauche à aller s'occuper. Parfait. Ensuite, il y a lui à droite. Parfait. J'enchaîne, hein, j'enchaîne. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Oh, trois carreaux d'arbalète, monsieur est trop bon. Et lui, trois aussi, ma foi. Je ne dis point. Oh putain. Je vais y faire une grosse bêtise là. Ok. Hop. On va attendre qu'il passe. Mais non, y'a rien. Oh là 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 là. Quel stress. Rien. Yes. Yes. Non mais vraiment à la toute fin. On a foiré à la toute fin les amis. On avait vraiment foiré à la toute fin. Oh non ça c'est salaud ça. Oh c'est pas bien hein. C'est pas bien. J'aurais dû vraiment assurer le coup. Mais je pensais qu'en en tuant un avec avec l'arc, l'autre l'arbalète, l'autre aurait compris aussi. Ne vous faites pas repérer. Bon bah c'est parti. Encore une mission d'infiltration. C'est une mission pour Pedro. Salute, Lucrezia. Tu m'as manqué. Vai a farti fottere, Troia. Oh. Fidèle à elle-même. Amène-la, je sais où est la clé. Troia. Oh, oh. Incroyable. Dans son corset. Oh, un peu trop serré. Garde. Garde. Oh. T'as assez entendu. Oh la vengeance. Non. Alors nous passerons par devant. Ok. Ne vous faites point repérer. Ça va être complicado. Attends ici. Comme si j'avais le choix. Qu'est-il arrivé?
Allez, quelqu'un a bien dû voir quelque chose. J'aimerais... Voilà. Bien, Ezio, par ici. Oui, ouais, oh, oh, c'est bon, hein. Regardez, mais lui, on le sauve pas, lui ? Non, bon, bah... Pourquoi m'as-tu tué, Ezio ? Quand il est tombé, je ne te sers plus à rien. Oh, mais ces bruits sont gênants. Ok... Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa, je devais solliciter ton appui pour protéger Forley. Est-ce que tu comprends, Ezio ? Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas justifié. Arrête ! Oh putain ! Tu es un homme mort ! Il m'a fait peur ! Oh, il m'a fait peur ! Il m'a fait extrêmement peur. J'étais pas sûr, hein, j'étais pas sûr. Oh la vache, il m'a fait peur. Bon, ça va, on n'a pas tout le dialogue à se retaper. Attends ici. Attends, si j'avais le choix. Attends ici, cocotte, je m'occupe de tout. Bah ouais, mais le coup il s'est pas lancé comme il faut, donc bon, au bout d'un moment, hein, faut faire des efforts, Ezio, hein, faut faire des efforts. J'avais bien verrouillé ma cible, enfin elle était en surbrillance, j'ai appuyé sur clic gauche. Au bout d'un moment, t'as chié, mon gars, hein, t'as chié. Bon, toi, mets-toi là. Comme si j'avais le choix. Réchauffe-toi bien, hein, on s'occupe de toi après. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Ezio ? Oui, bah, oh, oh, calme, hein. Sinon, moi, je te sauve pas, hein. Madonna, ma mort. Bien, et que diable ! Allez, tais-toi. Ok. Boum. Et boum. Ah, et quelle bande de radins. Ils m'ont même pas passé des carreaux d'arbalète. Bon, remarque, 12 et demi, ça devrait le faire, hein. Pourquoi m'as-tu tué, Ezio ? Forley est tombé, je ne te sers plus à rien. Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Ezio, par ici, per favore. Heureusement que j'ai du réflexe. Je crois que c'est bon, hein. Je pense que ça n'a pas... Enfin, j'ai pas vu de message comme quoi que j'avais foiré ma mission, donc... ça m'a l'air d'être bon. Heureusement que j'ai du réflexe, hein, quand même, hein, pour l'autre. Parce que le troisième, pareil, j'avais pas vu. Mais enfin, je pouvais pas le voir, hein. Je devais solliciter ton appui pour protéger Forley. Est-ce que tu comprends, Ezio ? Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas justifié. Ok. On la balance ? N'y pense même pas. Je
Je suis salaud. Filio de putana. Je ne t'y reprenne jamais. Eh, j'ai voulu, mais ça a pas marché. Oh putain. Faut que je sois un peu plus concentré, les amis, quand même. Hein. Faut que je sois un peu plus concentré. Allez, là, cette fois-ci. Aucune erreur ne sera admise. Attends ici. Comme si j'avais le choix. Ok. Donc lui, viens. Voilà. Autour du deuxième. Encore un mort dans notre carte d'essence. Voilà. Voilà. Bien, Ezio, par ici. Oui, bon, c'est bon. Hein. À cause de toi, je me fais repérer. Donc bon. Kayate, hein, Kayate. Oh, lui est tombé, je ne te sers plus à rien. Ok. Donc lui, il a couru. On attend ici, cocotte, on s'occupe de tout. Ok, donc lui, il s'est remis en place. Lui, c'est bon. Allez, le premier qui vient, je m'occupe de lui. Elle est trop loin. Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa. J'ai eu peur. Je devais solliciter ton appui pour protéger. Oula, ils sont deux. Attendez. Est-ce que tu comprends, Ezio ? Voilà le deuxième. Et maintenant, occupons-nous du troisième. Voilà. Voilà. Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas de justifié. Caterina, Cesare, est-ce qu'il t'a... Je ne veux pas savoir. N'y pense même pas. Bon, du coup, à retenir, à retenir, je ne dois pas sortir de la botte de foin tant que l'autre n'est pas revenu. Vas-y, viens. Soy. Filio de putana. Que je ne t'y reprenne jamais. Bon, pas besoin de traduire, hein. Ok, on va attendre qu'il arrive. Ne bougez plus. Tais-toi. Je vous propose qu'on avance un peu sans elle, juste histoire de sécure la zone. Ok, ça va se jouer là. Voilà. On va un peu la rapprocher si on va nous dire « Rapprochez-vous de la cible !» Oh, on a vu sa culotte. Allez, on va te poser là. Ici, je vois rien. Et ici, je vois rien. Bon, j'ai peur parce que là, on est un peu à l'extérieur. Donc bon,
Ça va être un peu compliqué à dos. On dirait que la porte s'ouvre de là-bas. Oh putain. Punaise! Allez, attends là. Elle est un peu chiante, hein. Heureusement, ça nous a pas désactivé la mission parce que j'aurais pété un câble. Hein. J'essaie vraiment d'y aller doucement hein, parce que là. La poste en fait un perfect. Je t'ai pas demandé de monter. Hein. Je t'ai pas demandé de monter. Ok. Ah, chacun son fardeau, mais alors quel fardeau, hein? Oh lolo! Oh lolo! Eh ben écoutez, on a fini la séquence 4. Elle est finie à 100%. Donc, GG à nous. On va revenir en arrière histoire d'être sûr. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses à faire, hein, mine de rien. Attendez, j'ai eu un problème de souris. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses à faire. Hein. Sur ce, les amis, écoutez, je pense qu'on va en rester ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode bonus afin de terminer à 100% Assassin's Creed au niveau des missions. Bisous à tous, ciao ciao.